C'est un voyage au cœur de l'Italie de la Renaissance. À la découverte de la vie intime de l'un des plus grands artistes de son temps, Michel-Ange, surnommé le Divin, un homme mystérieux à l'écart de tous. Celui-là, vraiment, il n'a pas bon caractère, quoi. Il passe sa vie à se fâcher, il se fâche avec tout le monde. Le caractère de Michel-Ange est un caractère de douleur. C'est vraiment une des constantes chez Michel-Ange. On se rend compte que c'est un homme qui ne connaîtra pas le bonheur au sens traditionnel. C'est un homme inquiet, c'est un homme tourmenté, c'est un homme violent. Autre facette du Michel-Ange intime, son attirance pour les hommes. Mais dans l'Italie de la Renaissance, cette orientation sexuelle n'est pas forcément la bienvenue. Le panorama de l'homosexualité à l'époque de Renaissance, c'est un vrai débat, parce qu'en théorie, c'est condamné. À l'époque, on parlait plutôt des sodomies, justement, et c'était, a priori, un péché et un crime puni par la loi, puni parfois très sévèrement, donc même par la peine capitale et les bûchers. On considère plutôt l'homosexualité comme un vice à régler, un peu comme la prostitution, le jeu d'hasard ou la boisson, plutôt que comme un crime à éradiquer. Mais s'il y a bien une ville en Italie où l'homosexualité est vécue plus ouvertement, c'est la ville de Florence où Michel-Ange fera ses débuts. Florence donne alors l'image d'une ville de débauche où la mode est à la bisexualité, une tendance inspirée de l'Antiquité. On voit bien que cette pratique est partagée dans les milieux philosophiques, littéraires, artistiques. On la tolère pour les jeunes hommes jusqu'à l'âge du mariage. Mais en même temps, Florence va être caractérisée, puisque c'est un vice florentin que l'homosexualité. Les Allemands le diront assez, puisque effectivement, sodomite, hein, c'est Florence. L'homosexualité existe d'une façon très, 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 très nette dans les classes sociales supérieures de Florence, mais alors à Rome, c'est très présent également, et au sein même du Vatican. Quant à l'homosexualité à Florence, plus en général, elle est tellement répandue dans les années 1450-60 qu'on assiste à une chute de la nuptialité. On ne se marie plus, dans les bonnes familles, on ne fait plus assez d'enfants. Cette tendance de l'époque pose petit à petit des problèmes de succession au sein de la haute société. Pour y remédier, l'Église va instaurer le tombereau afin de dénoncer les pratiques homosexuelles. C'est réellement une espèce de boîte aux lettres dans le dos des églises où n'importe quel vulgum pecus peut aller glisser sa dénonciation, anonyme bien sûr, qui sont relevées le matin, qui sont lues et qui sont confiées à un tribunal qui est forcément religieux, qui va statuer sur la vérité de cette dénonciation. Plusieurs personnalités de l'époque sont inquiétées. Parmi elles, l'artiste Léonard de Vinci, il a 24 ans. Léonard va être inquiété par deux fois. Et à la deuxième fois, il se dit « c'est peut-être préférable que je quitte la ville de Florence ». Alors, est-ce que c'est l'unique motif? Non, mais enfin, ça a sans doute joué dans son départ pour Milan. Enfin. Dénoncé pour son homosexualité, Léonard de Vinci sera dénoncé par une lettre déposée dans cette boîte appelée à Florence « la bouche de la vérité ». Vous aimez cette vidéo? Vous voulez en savoir encore plus? Retrouvez-la avec des centaines d'autres vidéos sur secretsdhistoire.tv. Visites extraordinaires, images exclusives, entretiens et documentaires passionnants, les émissions Secrets d'Histoire et plus de 25 séries inédites. Déjà 700 heures de programme, des nouveautés chaque semaine. Secretsdhistoire.tv, c'est votre plateforme pour vivre l'histoire où vous voulez, quand vous voulez. Seulement 4,90€ par mois ou 49€ par an, accessible partout dans le monde.